Les amis, salut tout le monde, c'est Handgame, je suis avec Christophe. Et on se retrouve pour le 32e et ultime épisode de The Legend of Zelda Twilight Princess. Au moment où je vous parle, je viens tout juste à l'instant d'ouvrir la porte. Vous allez voir un peu l'ambiance dantesque du toit du château d'Hyrule. C'est un épisode qui va être long, très très long, je ne sais pas encore combien de temps il va durer. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est que voilà, ça y est, on y est, c'est le combat final maintenant. On peut pas faire machine arrière. Derrière cette porte qui ressemble étrangement au toit que j'ai dit tout à l'heure du château d'Hyrule, eh bien se trouve notre ennemi, Ganondorf. Vous allez voir que ça va être épique. Donc là je prends mon temps, là je vois un perso au loin, une espèce de symbole, je sais pas ce que c'est. Regardez un peu, l'ambiance est complètement oufissime. Ça fait très fin du monde effectivement. Et vous allez voir, ça va être énorme. Alors Christa va m'accompagner. Alors au moment où je vous parle, là on est le 5 septembre et j'ai fait le son du dernier épisode en premier parce que je voulais absolument le faire, mais de toute façon pour vous ça change rien parce qu'il sortira le 19 septembre. Attention, c'est parti. Oh là 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 là, qu'est-ce que j'ai attendu ce moment, ça fait 6 mois que j'attends ce moment là, c'est complètement fou. C'est parti. Alors je fais la lecture. Bienvenue à mon château. Oulala. Ainsi c'est toi, Ganondorf. Quelle classe, franchement. Quelle classe, quel charisme, Ganondorf. Oh là 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 là. Et dire qu'on va peut-être le retrouver dans Breath of the Wild 2. C'est peut-être le Ganondorf le plus charismatique qu'on va affronter. Ah bon, tu l'aimes bien parce qu'il est rouquin hein. Attends, non, c'est... Je mourrais d'envie de te rencontrer. Oser défier les déesses avec une magie aussi faible pour finir négligemment exilé, pitoyable peuple que le tien. Et vous m'avez bien servi. Vos souffrances ont nourri et ma chair et mon âme. Votre haine m'a sorti de ma torpeur et j'ai épuisé ma force. En tout cas, là, un temps, pas beau, hein. Tout gris. La seule chose qui manque à ton peuple, c'est ta puissance. La puissance ultime qui habite les champions élus des déesses. Donc je pense que c'est Zelda qui... Oui, c'est ça, c'est Zelda. ...évanouit. Il serait plus que naturel que celui qui possède un tel pouvoir devienne le seigneur de ce monde. Vous ne croyez pas. Quel orgueil. Ah bah ça c'est sûr, hein, il s'aime bien. Tu es vraiment un élu des déesses, détenteur du pouvoir ultime. Oui. Cela me coûtera sans doute jusqu'à mon dernier souffle. Je t'empêcherai d'arriver à tes fins. J'ai bugué, pardon. L'ombre qui s'apitoie sur le sort de la lumière. Quelle farce! Eh bien, soit, rebelle-toi. Dresse-toi, toi contre moi, et lis ton destin à celui de ton ami. Merci, merci Christa, merci beaucoup. Donc, alors attendez, je vais faire un truc, je vais juste augmenter le gain du son parce que je veux pas faire n'importe quoi. Je veux pas avoir un son de merde comme j'ai pu avoir il y a pas longtemps. Là, logiquement, ça doit être bon. Ouais, super. Donc là, vous voyez qu'apparemment, Ganondorf est entré dans le corps de Zelda et c'est très bientôt qu'on va vraiment entrer dans le vif du sujet. Donc là, regardez bien. Voilà, la Zelda, Zelda est possédée. Elle est possédée. Et... Oh, l'ambiance, bordel de merde. On y est, quoi, putain, c'est le dernier épisode. Est-ce que vous vous rendez compte, les gens? On y est. Fou, qui osait vous dresser contre le roi de la lumière et de l'ombre? Cette enveloppe corporelle me servira à vous faire comprendre ma puissance.
C'est parti les amis, le combat final, le combat ultime contre Ganon. Je dirais que comme niveau intensité c'est encore plus ouf que Wind Waker. Mais en plus ce sera en 4 phases, donc là Zelda possédé va m'envoyer des boules de lumière. Il va falloir que je les renvoie comme dans Ocarina of Time, comme dans avec Kagami. Enfin voilà, c'est une attaque, merde, je me suis fait avoir, putain merde. Donc voilà, vous avez compris le truc, il va falloir que je les renvoie 3-4 fois. Le combat sera en 4 phases. La dernière, je sens que je vais rager comme c'est pas possible. Oh là là, alors oui, c'est pareil, il peut faire apparaître aussi un faisceau lumineux qui peut faire très mal. N'oubliez pas que j'ai en ma possession l'armure magique. Et lorsque je suis touché, si j'ai des rubis au moins 2000 ou 5000, eh bien, c'est uniquement les rubis que je vais perdre. Alors attention, là il va falloir faire combo. Novan Djokovic, merde. Et Rafael Nadal, il renvoyait la balle. Est-ce que t'as déjà vu ce combat ou pas du tout, où tu découvres? D'accord. Oh putain, là. Ouais, donc comme je disais avant que Crystallize, et merveilleusement d'ailleurs, je pouvais pas attendre de faire le son le week-end du 19. Pour moi, je voulais le faire maintenant, là on est le 5 septembre, donc de toute façon, pour vous ça change rien, mais moi je vais devoir attendre 2 semaines avant de le mettre en ligne, mais je sais que j'ai Eric de fin, j'aurai peut-être mon moment d'émotion, encore plus que celui de... Ah, j'allais une fois. Encore plus que pour Windmaker, mais bon dieu. Oui, oui. Approche-toi du micro. Oui. Tout à fait, ouais. Mais nous avons à nos côtés une alliée de taille. Oh là là. Mais pour l'instant ça va, j'ai mes cœurs à fond. Comme vous pouvez le voir, j'ai tous les vainqueurs. J'ai le grand carquois à 100, donc j'ai vraiment, on va tenir le jeu à 100%. Voilà, donc là, en fait, il ou elle est assez imprévisible, parce qu'on sait pas. Ah, attention. Vas-y, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 2. Allez, encore un coup et puis c'est bon. Alors après il va changer d'attaque, en fait il va essayer de me foncer dessus comme le Psycho Crusher de Vega ou M. Bison dans Street Fighter. Il va falloir vraiment l'éviter. Hein? Regarde, c'est ça, c'est cette attaque là. En fait voilà, il fait une attaque en piqué. Et c'est chaud. Ah oui, et donc, comme dans tous les Zelda, comme dans tous les combats finaux, eh bien on va avoir l'armée ultime. Ah putain. Et alors... Je fais comme si je revis le gameplay que j'ai fait hier. Je revis le gameplay que j'ai fait hier ou avant-hier, je ne sais plus. Mais comme j'ai expliqué, même si le son et le gameplay étant décalé, je revis complètement le jeu. Et je me dis, ça y est, enfin, putain, j'ai battu le record d'il y a 5 ans, quoi. Je sais pas, voilà, c'est énorme. J'avais terminé l'épisode 17 et ça y est, on est au combat final. Link contre Ganon. Ah putain. Dans un combat, mais qui est absolument épique. Et qui dit Ganondorf, qui dit également Ganon. Vous allez voir, il y aura une bataille épique, équestre également. Enfin, vous allez voir, attention. Là, on se terre. Allez, hop. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Ça y est, je l'ai eu. Première phase terminée. Bon, alors, comme j'ai dit souvent, la première phase n'était que garniture. Les trois autres, ça va pas être de la tarte. Oui, ça fait peur. Attends, alors, si tu crois que ça fait peur, regarde bien. Ça y est, Midna. Je reconnais que c'est très beau, hein. Pour des enfants, ouais. Ah oui, ça, je suis d'accord. Donc, ça y est, Midna, elle a les cristaux des ombres. Donc là, elle va libérer Zelda, qui a possédé Ganon. Non, Zelda n'était pas morte. Parce que si on se réfère à l'épisode 13, en fait... Attends. Alors là, il va se passer un truc. Regarde bien ce qui se passe derrière. L'ombre menaçante, là. Ouais, mais attention, qu'est-ce qui va devenir? Regarde bien. Alors, j'adore ce passage. Oh là là, le regard complice. Donc là, on voit Ganondorf, qui se reconstitue, parce que c'est le roi des ombres. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Les amis, la seconde phase, et c'est peut-être celle que je redoute le plus avec la dernière, c'est Ganon. Créature maléfique. Taureau ? Non, c'est un bovin. Bah, un taureau. Non, c'est un cochon. Le sanglier. Alors,
je vais pas spoiler parce qu'on est loin d'y être, mais je pense que cette forme, on va peut-être la revoir dans un très certain Breath of the Wild, mais je ne dis que ça. Alors maintenant, là on se concentre que c'est super chaud. En fait, Ganondorf, dans sa forme bestiale, il va créer des téléporteurs, et il va falloir le repérer. Donc pour savoir quand Ganon va apparaître, il faut regarder les téléporteurs. Si l'un devient bleu, qui se fiche qu'il devient bleu, c'est que Ganon arrive. Voilà, et là je vais utiliser avec une flèche dans la tête. Voilà. Ensuite, on se transforme en loup avec Midona. Et la Midona qui a le pouvoir, eh bien, voilà, on lui mord là où il a été blessé. Et on continue. Il y a encore 2 ou 3 phases à faire. Ouais, c'est recherché. C'est très recherché, ouais. Alors, je vais pas faire comme le Wind Waker où j'ai pas arrêté de parler un peu de manière nostalgique. Là, je me concentre un peu sur le gameplay. De toute façon, on aura tout le temps d'en parler parce que la fin était tellement belle. Alors, où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est? Il est là. Non. Il est là. Tu vas te la prendre en pleine tête. Voilà. Donc pareil, on se transforme. Qu'est-ce qui est plus intéressant? 3, 4, 5. Ok. Là, il va changer de face. Donc maintenant, ce qu'il va faire, c'est que tu vas commencer à le regarder les portails. Parce qu'à un moment, il va se figer. Et grâce au pouvoir des ombres de Midona, on va devoir l'arrêter et le faire tomber comme ça. Regarde bien. Hop. Merde. Voilà, là tu fiches. Et voilà. Là, on fait. Voilà. On fait une sorte de prise judo. On le fait tomber. Et hop. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je crois qu'il y a encore 4 phases à faire. Et je vous garantis, les gars, c'est loin, très loin d'être terminé. Bon, t'en penses quoi en tout cas de tout ça de... Ah bah ouais, oui, il faut parler du scénario, c'est très abouti. C'est bon, rien, que dans les différentes phases. Ouais. Alors attends, c'est pareil. Hop, voilà. J'adore le cri de Midona en fait quand elle le balance par terre. Mais t'entends pas, mais t'inquiète pas. J'arrive pas à croire que ça y est, c'est la fin de Twilight Princess. J'arrive pas à me dire que ça y est, voilà, à l'issue du combat. Je vais le faire en mode expert, mais ce sera pas pareil, tu vois, parce que j'aurais déjà fait le let's play, donc attention, le voilà. Bon, je crois que c'est après ça qu'il va changer de phase. Moi, je croyais que c'était... Non, pas du tout. Ok. Allez, vas-y. Attends, je sais plus. Là, j'avoue que c'est un peu flottant, parce que c'est vraiment une phase qui me... C'est des débris en fait. C'est des débris. Ah merde, j'arrive pas à l'avoir. J'ai peut-être ici autre chose. J'ai peut-être ici lui tirer une flèche en pleine tête. Oh le salaud, non il est. Bon, bah écoute, on va garder la. On va rester sur le même mode. Vas-y, recule-toi. Ah oh, putain, salaud. En fait, son attaque peut paraître banale, mais il est. Ah oulala. Ça y est, je l'ai eu. Maintenant, c'est bon, je pense qu'on l'a battu. Vas-y, allez hop. 1, 2, 3, 4, 5. On l'a eu. Deuxième phase terminée, les amis. Alors maintenant, quand je vous disais que c'était très triste, vous allez voir ce qui va se passer. Je crois qu'il n'y aura pas de dialogue. Tout va se passer dans le regard et dans les images. C'est extrêmement émouvant. Donc là, on reprend notre forme originale. Et pendant qu'on va assister à ça, bah, je vais vous dire, bah oui, voilà, bah, on y est, quoi, c'est... Comme je disais tout à l'heure, j'arrive pas à croire que c'est la fin de ce let's play, même si Chris a dit qu'on va faire le mode expert, parce qu'on va le faire, mais je me dis, mais... Voilà, quoi, c'est la... Ça fait 6 mois qu'on fait ce let's play, et... ouais, l'aboutissement d'un projet ouais. Que tu as repris. T'avais fait il y a 5 ans, mais t'avais pas fini. Ouais, voilà, et là, j'ai terminé, j'ai mon petit moment d'émotion, là, c'est... Alors... Ah ça y est, ah oui, parce que dans l'épisode 13, quand on était parti chercher Excalibur, eh bien voilà, Midona, Zelda avait donné sa vie pour que Midona puisse retrouver la sienne. Et apparemment, bah, elle a récupéré ses pouvoirs. Souvenez-vous quand Midona disait, Zelda, j'ai pris tout ce que tu étais, tout ce que tu m'as donné. Princesse, je... C'est bizarre de voir Midona comme ça. Ouais. Elle était très sarcastique. Ah mais, ne dis rien Midona. Pendant un bref instant, nos deux cœurs n'ont fait qu'un. Ouais, mais au départ, c'est vrai qu'elle était horrible et se foutait la gueule de Link, et puis après, bah, au fil du temps, bah voilà. C'est un peu comme dans un autre Breath of the Wild, leur relation a énormément évolué.
Par contre, Link, ça j'en démords pas, je l'ai dit au premier épisode, il est très peu expressif. Alors, oulala. Eh non, Ganondorf n'est pas mort. Par contre, cette image est très belle. Alors, madame, on se tait. Regardez bien ce que va faire Midona. Ah, elle va se transformer comme dans un autre épisode, là. Oui. Elle va se transformer comme dans l'épisode 31. C'est ça, comme dans l'épisode 31, quand on a... Quand on est entré dans le château d'Hyrule. Ah, j'adore le regard de Midona. Je vais pas spoil, mais ça rappelle un peu une série espagnole, si tu vois ce que je veux dire. Voilà. Un niveau intensité, niveau émotion, ce... Oh là. J'ai eu d'autres fins avec Zelda. C'est vrai que celle-là, ouais. C'est intense. Ouais, complètement. Alors, regardez bien les amis. Regardez bien ce qui se passe. Midona vous a téléporté dans la plaine d'Hyrule pour qu'elle puisse affronter Ganondorf, mais... Oui. Oui, ça fait vraiment comme dans la série espagnole. Et ce salopard de Ganondorf a tué Midona. Nous sommes à l'avant-dernière phase du combat final. Je suis pas aussi enjoué que dans mes Windmaker, parce que je contiens, parce que je suis joueuse, mais on aura tout le temps d'en parler. Alors maintenant. Ce qui va se passer, c'est que on va poursuivre à cheval Ganondorf, et là, il va se passer un truc super important. Je vais lire et je te laisserai lire la scène post-crédit. Alors attention. Esprit de la lumière, détenteur de l'immense pouvoir illuminant partout notre monde. Oh, cette scène, putain. Je vous en prie, illuminez-nous de votre lumière salvatrice. Et là, petit retour en arrière, Latwan, Firon, Ordin et Lanel, les quatre esprits qu'on a libérés tout au long du jeu, reviennent. Ils vont s'assembler pour devenir l'arme ultime de Zelda, bien connue, à savoir les flèches de lumière. Oh là 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 là, les flèches de lumière. Les fucking flèches de lumière, les amis. Alors, je vais vous laisser lire pour une fois. Alors, les amis, nous sommes dans la troisième phase. Et là, ce qui va se passer, c'est que... Bah, il va expliquer. Je vais plus immobiliser Ganondorf avec les flèches de lumière. Tu le vises tout en maintenant à portée d'arc. Je m'occupe du reste, tout en maintenant à portée d'arc. C'est super chaud. En fait, pendant que Ganondorf court, nous, on va le courser. Et Zelda va devoir l'immobiliser avec les flèches de lumière. Donc, il faut le fixer. Et généralement, je galère beaucoup pour l'avoir. Je viens de l'avoir à l'instant. Non, c'est une blague. Ok, super. On va dire que c'est un coup de chance. Je l'ai eu une seconde fois. Non mais d'habitude je galère, franchement. Non mais allez, attends, si une troisième. Non mais c'est pas possible, une troisième fois. Je te jure, d'habitude je galère pour la voir. Et là, je... Ah, si un une quatrième fois, là j'y crois pas, là. Non mais c'est pas possible. Non mais... Ah non, mais t'es pas en train de me dire que je suis à la phase finale. Je suis à la phase finale. Je suis à la phase finale. D'habitude, je mets au moins un quart d'heure pour l'avoir, et là, j'ai même pas mis une minute. Tu m'expliques, là? Bon, bah écoute... Ouais. Bon, il va falloir que tu m'expliques ce que tu fais quand je suis pas là. Hein. Bon, alors, attention maintenant, la phase finale du combat final.
tu es adroit. Mais ce ne sera pas suffisant. Il est temps d'assouvir ce désir qui brûle en moi. Utiliser cette épée odieuse qui a mordu ma chair pour enfuir à jamais la lumière sous les ténèbres. Oh, cette ambiance, mes amis, cette ambiance pompe. Alors, vous l'aurez compris, ça va être un duel à l'épée. Et à l'issue, eh bien, c'est un peu comme Highlander, il n'en restera qu'un. Bon, alors, c'est Ganondorf, Seigneur du Mal. Donc maintenant, on n'a pas de technique particulière. Bah, en fait, si une technique particulière, c'est de mettre à profit tout ce que nous a appris. Oh là là, attendez, alors, attendez, là, on se concentre parce que le mec, il perd pas de temps. Oh putain, en plus, il fait très mal. Aïe, 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 aïe. J'essaie de trouver une ouverture pour l'avoir. Rendez-vous compte, les amis, rendez-vous compte. Ça y est, on va finir le jeu, putain de merde. On va le terminer, bordel. Rendez-vous compte de ça, quand même. Oh putain, il sait ce pas faire. Ouais. Ouais. C'est un peu le seigneur du mal. J'espère sincèrement que dans Breath of the Wild 2, il sera à la hauteur de nos attentes. Parce que ça fait quand même mine de rien 15 ans qu'on l'a parti Ganondorf, parmi les éditions et les ressorties de Ocarina of Time. Là, on va se dire, ça y est, bah voilà, il est là, quoi, il est de retour. Alors attendez, là je vais souligner tous les bugs qu'on a appris avec le héros du temps. Et ben voilà, on les met à profit. Moi je suis souvent l'attaque à Robert, ça lui fait très mal. Le problème c'est que... Ah putain ça... C'est quand je tourne vers lui que quand je me tourne après... Hop, c'est ça, l'attaque à Robert. Ah, il est tombé, non, pas maintenant. Et souvenez-vous, la première botte qu'on a apprise, c'est aussi pour moi la plus décisive, mais on n'y est pas encore. Ah putain de bordel. Oh là là. Là, je me régène parce que j'ai pas envie de perdre des cœurs. Faut savoir aussi que la barrière peut aussi me causer des dommages. Donc faut vraiment faire gaffe. Hop. Oh, je l'ai pas eu, putain. Ah là là, le coup plongé. Aïe 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 aïe. Ah ouais, le coup à Robert, ça marche plus non plus. Ah, je l'ai eu. Ah. Hop. Salut. Allez. 1, 2, 3, 4. Alors lui, vous avez entendu, c'est Krista qui tape sur les mains parce que le chat est un peu chiant. Alors attends, là je cherche une ouverture. Oh putain, la vache, il fait mal. Il attaque pas souvent, mais par contre, attendez. Donc je vais mettre l'armure magique. Donc, rappelez-vous, l'armure magique, quand je la mets, je perds seulement les rubis, pas les cœurs, par contre ça descend très vite. Si je suis touché, bien c'est bon. Voilà, hop, 1, 2, 3. Ah, il s'y font bien. Ah, le plus éclair, j'ai jamais réussi. Ah, j'aurais pu la... Oh, j'aurais pu l'avoir. Ouais, non, mais je perds seulement des rubis, c'est tout. Oh, la musique est complètement officielle. Oh, là, 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 là. Parce que sinon ma voix va être étouffée par le son et ça il en est exclu. Ça c'est exclu. Vas-y, ramène ta gueule. Je vais essayer de la voir. Putain, il fait mal. En fait, il a un peu la même attaque que les Dark Knight. Tu sais, les chevaliers là que tu déshabilles en les frappant là. C'est exactement pareil. Alors. Bon. Écoutez. Ouais. Non mais pareil, je vais utiliser aussi. Oh là, 2, 3. Je vais utiliser la technique que m'a appris Sifano, je vais utiliser le. Oh putain, je vais utiliser la canne à pêche. Comme ça je vais détourner son attention pour pouvoir le frapper. J'arrive pas. Je pense que l'armure magique ne servira à rien. Du moins pour ce combat-là. Putain, l'ambiance. Oh là 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 là. Non, elle est juste à côté. Elle peut rien faire en fait. Hein. Oh, ah non, je crois que je l'avais eu. Normalement, la prochaine phase c'est bon. La prochaine phase qui tombe, ce sera pour pas se relever. Pas se relever. Putain, foiré. Je vais faire un truc. Non, je voulais faire le coup éclair, mais ça marche pas. Je vais réessayer. Non, ça marchera pas. Non, il l'a vu venir. Bon. Non, il l'a vu venir aussi. Putain, j'arrive pas. Je suis un peu dans la merde, les amis, là. Je suis seulement dans la merde. Oh, putain. Ça devient chaud, ça devient chaud. Ah. Un, deux, trois, putain. Il se défend bien. Là, c'est un peu le même combat que dans Windmaker. Oh. Non, j'aurais dû l'avoir, là. Allez, on va essayer, on va utiliser la canne à pêche.
Allez, regarde la canne à pêche, elle est belle la canne à pêche, regarde là, voilà, hop, ça marche. 1, 2, 3. Ouais, on va dire. Oh putain. Vas-y, regarde, hop, vas-y, allez. Putain, non, ça marche pas. Bon, je vais enlever l'armure, vas-y, regarde la canne à pêche. Regarde la canne à pêche, enfoiré. Vas-y, regarde la canne à pêche. Oh putain, non. Non, ça, non. Là, je suis dans la merde, les gars. Je suis dans la. Ah, ça y est, il l'a vu. Ouais, super. Oui. Ah putain. Allez, on va la voir. On va la voir. Super plongé. Ça me dérange. Non. Il va falloir que je pense enlever l'armure. Je l'ai vu. 1, 2, 3. Ah putain. Enlève là, enlève ton armure. Putain de merde. Ah, est-ce que j'ai vu, non. C'est chaud. Bon allez, on va se remettre en ligne conventionnelle. Excusez-moi, 2 minutes, j'en ai juste mes lunettes. Je vais la voir. De toute façon, faudra bien qu'on l'aime. Faudra bien qu'on l'aime. Oh putain, il fait mal. Qu'est-ce que ça va être en mode expert? Qu'est-ce que ça va être? Je cherche une ouverture en fait pour l'attaquer. Je veux pas foncer tête baissée. Toujours, je suis comme ça. En plus, je n'aime pas. J'aime toujours anticiper. Aïe, aïe, aïe. Parce qu'il est chaud. Parce qu'il est très fort. Je l'ai eu. Et c'est, on peut dire, you're gonna fucking die. Le jeu est terminé, les amis. On a battu Ganondorf. Ah putain, ça y est, le jeu est terminé. C'est fou, il n'y avait pas de signe avant. Ouais, non, mais je sais pas, j'ai une ouverture. Les amis, ça y est, on l'a battu. Le jeu est terminé. Oh, c'est brutal. Ouais. Alors par contre, il y a une scène que j'ai jamais compris. Ah oui. Vous allez m'expliquer dans les commentaires. Parce que là, j'ai pas vraiment compris. Surtout quand tu sais que c'est Ganondorf qui peut... Ne pense pas que tout se finisse ici et maintenant. Excuse-moi, je... Vois cela comme le début de l'histoire de la lumière et des ténèbres. Une histoire écrite dans le sang. En l'occurrence, c'est le tien pour l'instant. Hein. Alors, cette scène-là qu'on va voir, là, j'ai jamais compris. Et puis là, qu'est-ce qu'on va voir? Normalement, on est censé le tuer, donc ou peut-être qu'il a ressuscité Xento, j'en sais rien. Enfin, en tout cas, on peut croire qu'il a abrégé les souffrances de Ganondorf. Et entre-temps, il s'est tué aussi, j'ai pas compris. Xento, là. Ouais, bah, je comprends pas pourquoi il a fait ça. A priori, c'est le fantôme de Xento qui revient. Ouais, faut croire. Pour tuer Ganondorf avec son signe de tête, c'est comme s'il le tuait. Ouais, sûrement. Enfin, toujours est-il que voilà, Ganondorf est mort. Il est mort de la façon la plus classe possible. Il est encore debout. Il est encore debout, ouais. Comme dans Wind Waker. Ah, ça y est, le moment d'émotion commence à m'arriver là. Oh là là. Et je vais passer le casque à Krista parce que. Je vais lire, ouais. Et oui, Midona est ressuscité, mais qu'est-ce qui va se passer? Il est ressuscité comment d'ailleurs? Par tous les... Oui, par tous les êtres. D'accord. Ça y est, ils l'ont vu. Ah, a plus tout à fait la même forme. Qu'elle est belle. Voici la véritable apparence de Midona, la princesse du crépuscule qui porte bien le nom du jeu. Ah oui, Twilight Princess. Qu'est-ce qu'il y a? Dis quelque chose. C'est ma beauté qui te laisse sans voix?
Et voilà, ça y est les amis, Zelda Twilight Princess c'est terminé, enfin, après 32 épisodes et 6 mois. Je sais même pas quoi dire. Ça me fait encore plus mal que Wind Waker, parce que là on se dit que bah, c'est un jeu qui est énorme. Wind Waker a duré 20 épisodes et c'est vrai que bah, c'est un jeu que j'aime énormément, mais celui-là il est à la place du podium. Le jeu est tellement beau, j'arrive même pas à parler, je sais même pas quoi dire. Enfin, ça fait bizarre de se dire que voilà, on a terminé, on en aura chié, hein. Franchement on en aura bavé. Hein. Du tout premier épisode jusqu'à maintenant, franchement ça a pas été de tout repos, ça a pas été une partie de plaisir, mais quelle aventure a été belle, je le redis encore une fois, comme dans Wind Waker, que l'aventure était belle. Je voulais remercier toutes les personnes qui nous ont suivis durant ces 6 mois, la moitié d'une année, qui m'ont apporté tant de conseils. Vous commencez à être un petit peu nombreux dans le clan des gamers. Je suis très très ému, franchement je savais que ça allait me toucher, mais là c'est... Et en plus il y a une scène que je redoute et qui est d'autant plus symbolique. Et là on voit un petit peu ben, tous les endroits qu'on a foulés depuis le début. Ça fait vraiment bizarre de se dire que eh ben, je reprendrai plus le recordeur et je ne refais plus de let's play. C'est... Je sais pas. C'est bizarre. Ça fait très bizarre. Je sais qu'à chaque fois que je termine le jeu, ça me fait mal, mais là de me dire que voilà, c'est la fin du let's play, c'est encore plus... J'arrive pas à parler. Alors je vous rassure, je ne me mets pas à pleurer, mais c'est vrai que ça me touche énormément. Donc là, on voit un petit peu les enfants qui ont été recueillis par le père Reynald et qui vont retourner à Latouane, là où tout a commencé. Là, on a rencontré Link en tant que berger. Là où Iria, on a rencontré Iria. Là, on a rencontré également, comment il s'appelle, j'ai oublié son nom, Moy, qui, on peut dire, est le tuteur de Link. Les Goron, hein, qu'on a vu également dans l'épisode 7 et 8. 7, 8 et 9, excusez-moi. Oh là 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 là. Ouais, ça y est, c'est fait les amis. Et voilà, tout le monde est content parce que ça y est, enfin le... Voilà, Hyrule a été sauvé, on a vaincu Ganondorf. Thelma qui a l'air dans ses pensées, et puis Louise qui l'a rejoint à côté. Petite référence au film Thelma et Louise. Et là on revoit tous les protagonistes du début. Quand tu penses que le film a 15 ans, putain, ça fait bizarre. Et là, la citadelle d'Hyrule, bah, tout le monde chante, tout le monde danse, voilà, ça y est. Enfin, on a terminé, quoi. Je sais pas si tu veux rajouter quelque chose, si tu veux rajouter un mot. Oui, c'est vrai, ça fait comme un film qui se finit, quoi. Avec la bande-annonce de fin. Tout est bien qui finit bien, quoi. Ouais. Et la colline, au début, qui était un frêle petit garçon, et maintenant qui est devenu un grand guerrier. Et je me souviens, il disait dans l'épisode 1 ou 2, je veux devenir comme toi, et bah voilà, tu le vois avec son bouclier, son épée. Putain, ça fait bizarre. Oh là là là. Les Aura. Ah, Lutera. Ouais, la maman de Link, et puis son fils, Lars. Voilà. Parce que la maman de Lars. Oui, c'est mieux. Et donc là, en fait, elle est décédée, mais elle est toujours sur lui. Parce qu'elle habite dans l'épisode 11 ou 12. Et là, bah voilà. Là, on voit vraiment. Je sais pas ce que c'est, ça. Je me demande si c'est pas des perroquets. Oui, c'est des trucs qui volent, je sais pas ce que c'est, mais... Enfin, qu'importe, voilà. Donc, ça y est. Ça y est, les amis. Ah bah non, ce sont les clowns qui sont surélevés par les poules volantes. Voilà, c'est les clowns. Et là, on voit les gamins qui vont retourner tranquillement sur Latouane. Qui vont retrouver leur famille et leurs parents. Quelle aventure ça a été. Je regarde un peu en arrière et je me revois commencer l'aventure le 19 mars et maintenant le 19 septembre, ça y est, l'aventure est terminée. Le son n'était pas terrible, ma voix était très hésitante. Je me demandais si j'allais réussir, tiens, à la pêche, s'il fallait qu'on fasse un de ces jours aussi. Et nous y voilà, on est là. On est à la fin du jeu. Ça fait bizarre. Je savais que ça allait me faire mal, mais pas à ce point-là, putain, parce que... 6 mois, 32 épisodes, on a terminé le jeu à 100% et certains m'ont aidé, mais je ne peux que vous remercier les mecs. Tu vois, voilà, c'est pas, il n'y a pas que moi qui ai réussi, on a tous fait ça ensemble et de se dire voilà, c'est fini, ça fait bizarre, c'est, j'arrête pas de le dire, je le répète encore une fois, voilà, c'est cet endroit si emblématique, c'est là où on a trouvé Excalibur, et là les compagnons d'armes de Link qui suit sa trace, putain. Ah là 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 là. Ça fait mal de se dire que
C'est terminé. Ah, il y a mon chat qui va m'emmerder. Je vais pas vous laisser tout de suite, les amis, parce que il y a une scène post-crédit qui est super importante et que notre ami, notre cher et tendre Christa va lire. Là, vous voyez, eh bien voilà, on retourne là où tout a commencé, à Atoll ou à Toile, ça dépend comment on prononce. Et là, le fils de Colin est né. C'est le fils également de Moy, le je sais pas si c'est le précepteur ou alors le tuteur de Link qu'on voit au tout début quand le jeu a commencé. Je me suis permis également de faire une petite scène d'intro. Bien sûr, évidemment, je vais citer le nom du youtubeur parce que je voulais faire quelque chose de différent pour cet épisode final. J'espère que ça vous plaira en tout cas. Bon, la qualité n'est pas ouf, mais en tout cas, ça collait tellement avec le jeu, quoi. Voilà, donc Colin qui retrouve ses parents. Et tu te souviens quand tu disais au tout début que ça ressemble un peu chez les Hobbits? Oui. Ah, putain, ça fait tellement bizarre. Et là, on se rapproche de Gerudo, justement, parce que c'est là qu'il va y avoir quelque chose. Donc je vais me taire quelques minutes et on va se reprendre juste après. Ah, putain. La chambre des ombres. Voilà. Ah, la fameuse tour du jugement où on en a tellement chié, c'est là qu'on a appris qui était notre véritable ennemi. Bon, je vais exceptionnellement, on va pas lire. Ça y est, vous avez enfin compris, cet épisode est d'autant plus symbolique que voilà, Link et Midona se séparent pour de bon. Et comme l'avaient expliqué les sages, eh bien, seul le suzerain peut briser définitivement le miroir des ombres. Oh là 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 là, cette scène.
Les amis, il reste quelques minutes avant qu'on se laisse. Sachez en tout cas que c'était un véritable plaisir et putain de bordel de merde. Désolé si je suis grossier, mais quel kiff ça a été de faire pendant ces 6 mois ce let's play. Mais quel plaisir ça a été. Je voudrais vous remercier toutes et tous, et encore une fois ceux qui m'ont aidé à la création de la chaîne. Je pense bien sûr à toi, à Eric, à Hélène, à Nicolas, à Jérémy, et bien sûr Christa qui est à mes côtés, et bien qui a toujours été là, qui m'a toujours bien conseillé. Comme j'expliquais dans l'épisode 20 de Wind Waker, Home Game ne serait pas Home Game sans elle. Vous l'entendez pas souvent, mais pourtant elle est très active sur la page, également sur la chaîne, elle me donne de très bons conseils. Donc voilà, quelqu'un avait dit dans l'épisode, je ne sais plus lequel, de Breath of the Wild, que le succès, je n'aime pas ce mot-là parce que c'est faux, mais l'évolution de la chaîne est en grande partie imputable à Christa. J'en suis totalement d'accord, et voilà, Christa est à côté de moi. Je sais qu'elle est gênée que je dise ça, mais en tout cas, je te remercie infiniment. Et je vous remercie tous, je vous remercie toutes et tous de m'avoir suivi durant toutes ces aventures. C'est vraiment très dur, encore une fois, pour moi de vous laisser. Mais malheureusement, il va falloir qu'on se laisse momentanément, mais on reviendra. Au même titre que Wind Waker, ce que j'avais décidé, ce que... Comme le disait un certain Sifano, ce sera jamais terminé avec les Let's Plays sur Home Game de Zelda. On va retrouver d'autres, et peut-être qu'un jour je ferai autre chose que du Zelda, parce que les jeux vidéo, ce n'est pas que du Zelda, et je sais qu'il y a des gens qui pourraient peut-être que je fasse autre chose. Je sais pas, peut-être du Rayman, j'en sais rien, mais c'est clair qu'on va peut-être passer à autre chose. Je ferai peut-être une pause, on reprendra après sur des Let's Plays, ça c'est clair, mais voilà. En tout cas, écoutez les amis, que vous dire de plus que merci encore une fois, merci infiniment de m'avoir suivi. Merci pour vos likes, merci pour vos partages, merci pour vos commentaires, merci pour vos abonnements. Et qu'est-ce que je pourrais rajouter d'autre? Je vois pas ce que je peux dire d'autre en fait. Je vois pas. Tout est dit, voilà. Écoutez les amis, en tout cas, on se dit à très bientôt. Et surtout, prenez soin de vous, c'est le plus important. Une dernière fois pour ce let's play, je vous dirai, eh bien, si jamais vous découvrez la vidéo... Si jamais vous découvrez ma chaîne sur cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit pouce bleu qui pointe vers le ciel et qui fait toujours plaisir, à liker la page Facebook et à me suivre sur Instagram, homegamer-69, et bien sûr à partager la vidéo sans oublier d'activer la petite cloche. Je vous embrasse bien fort, toutes et tous, on se dit à très bientôt pour de nouvelles aventures, et n'oubliez pas que Breath of the Wild est toujours en vidéo. Je vous embrasse toutes et tous, et je fais un petit coucou, un petit salut à Kanamojo qui, je sais, regarde encore une fois toutes mes vidéos. À toi également, Cantine, et à toi également, qui je n'arrive pas à prononcer le blaze. Et voilà. Allez les amis, on va devoir se laisser. Encore une fois, j'ai beaucoup de mal à vous laisser, mais cette fois-ci, je ferai pas comme l'épisode 20, je vais devoir couper. Je vous embrasse bien fort, et je vous laisse la cassette de fin. Prenez soin de vous, c'est plus important, et à très bientôt. Ciao, bye bye. Salut tout le monde! A très bientôt, et merci pour tout. Je vous aime très fort. Gros bisous, salut tout le monde.